Mardi dernier, à la cour d'assises de Douai. Dans le box des accusés, Anne-Sophie Faucheur et Nicolas Willow, son compagnon. Ils comparaissent pour l'assassinat de la petite Tiphaine, 5 ans, la fille d'Anne-Sophie Faucheur. C'était en 2009. À l'époque, le fait divers bouleverse l'opinion. Nicolas Willow est donc passé aux aveux, lui aussi. Comme Anne-Sophie Faucheur, revenu sur ses premières déclarations hier soir, il admet. Oui, la petite Tiphaine a subi des sévices, des maltraitances. Oui, le 10 juin, elle est bien morte chez le compagnon de sa mère à cause de punitions trop sévères, tous les deux le reconnaissent. Et évoquerait notamment une douche glacée infligée à l'enfant ce jour-là parce qu'elle avait fait pipi au lit. Une affaire sordide, un procès poignant. Dans la salle, une cinquantaine de journalistes suivent l'audience. C'est depuis ce petit balcon qu'ils assistent au débat. C'est pas des larmes pour Tiphaine que tu as, c'est plutôt ce qu'on sort. Thomas Milot travaille pour le site internet de France 3 Régions. C'est lui qui raconte en direct le procès aux internautes. Toutes les déclarations sont restituées quasiment en temps réel, à quelques minutes près, évidemment, le temps de les retranscrire et de les publier. Et donc, évidemment, le public peut savoir ce qui se passe au fil des minutes, ici, dans cette salle d'audience. Chaque jour, plus de 30 000 internautes suivent ainsi les débats. Temps fort du procès, le récit de la mort de la petite Tiphaine. La fillette est décédée ici, dans la douche de la maison familiale. Rouée de coups par le couple Faucheur-Willow. Pour Jean-Louis Manant, lui aussi journaliste à France 3 Nord-Pas-de-Calais, il faut maintenant décrire ce moment douloureux aux téléspectateurs. On a donc longuement entendu ce matin le médecin légiste de l'hôpital de Valenciennes qui a donc procédé à l'autopsie du corps de la petite Tiphaine et son compte-rendu évidemment est effroyable. Il nous a raconté qu'il avait découvert sur le corps de Tiphaine une fracture par torsion du bras gauche. Ça veut dire que quelqu'un a pris le bras de la petite Tiphaine, 5 ans, et l'a tordu jusqu'à ce qu'on lui fracture le bras. Des détails qui peuvent choquer. C'est la difficulté du travail pour les journalistes qui couvrent les procès d'assises, trouver les mots justes. Parfois, un peu d'autocensure, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement violentes, qui sont délicates, ou qui sont difficiles à raconter. On est très attentif au vocabulaire qu'on utilise. Des journalistes très prudents dans leur manière de restituer les faits, d'autant plus que pour eux, le procès est aussi celui d'un mensonge médiatique. Tout débute le 18 juin 2009. Ce jour-là, Anne-Sophie Faucheur déclare à la police et aux médias la disparition de sa fille. En vérité, Tiphaine est morte depuis une semaine. Pour masquer son crime, sa mère convoque même les journalistes à une conférence de presse relayée dans les JT. 6 jours de silence et finalement la mère de Tiphaine accepte de parler aux côtés de son nouveau compagnon. Parler, dit-elle, pour que l'on n'oublie pas son enfant. C'était un enlèvement. La disparition, je pense pas, puisque ça, elle aurait certainement été retrouvée, puisque ça fait un peu plus de 5 jours aujourd'hui. Donc sur Mobile, je pense pas qu'elle puisse encore y être. Marianne Masse a couvert l'affaire pour France 2 à l'époque. En revoyant ces images aujourd'hui, elle nous décrypte la mise en scène de cette conférence de presse. On les voit, pour la première fois, ils parlent, ils expriment de la douleur, la perte de l'enfant. Je pense que ce jour-là, ils se disent « il faut se montrer ». Lui, il pleure, il montre la photo qui, rétrospectivement, cette séquence fait froid dans le dos. Quand il dit « regardez, c'est quelqu'un de très vivant ». Le couple a-t-il volontairement berné les médias? C'est ce qu'affirme à l'audience l'avocat du père de la petite Tiphaine. Les accusés ont utilisé les médias à des fins peu scrupuleuses qui consistaient à se parer du manteau de victimes pour mieux tenter de cacher leur crime. Faux, répond l'avocate d'Anne-Sophie Faucheur. Sa cliente a été prise dans l'engrenage du mensonge. Ils ne peuvent plus fuir les médias. C'est pas possible. On a un enfant qui a disparu, on ne peut pas refuser de répondre aux journalistes. Enfin, ou alors ce serait signer leur mensonge. À partir du moment où ils mentent, excusez-moi, c'est macabre, mais ils jouent le jeu jusqu'au bout. Beaucoup de journalistes affirment pourtant avoir eu dès le début des soupçons sur la sincérité d'Anne-Sophie Faucheur. C'est le cas de Florian Moreau, reporter à La Voix du Nord. Il a interviewé le couple quelques jours après la conférence de presse. On a toujours insisté sur les énormes zones d'ombre de l'affaire, les incohérences, les zones d'ombre, sans écarter la possibilité, malgré tout, d'un enlèvement. C'est avéré que, malheureusement, c'était un crime. Pour ce crime,
Anne-Sophie Faucheur et Nicolas Willow ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Douai.